AKA Filigrane, AKA Filler Nooch. Jonas F. Yeah. 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 Presque, presque. Yo, les choses se super passent. On est au catacombes. C'est le premier battle de la soirée pour les Word Up Team Up. Quand je dis Word Up, vous dites Team Up. Word Up Team Up. C'est son idée. Ah, ça a bien marché. Ça a bien marché. On va la refaire. Yo, sérieusement, je suis thrilled. On a un full main event. On a 5 battles 2 contre 2. C'est la première fois qu'on fait un événement à concept. Presque 100% basé sur les 2 contre 2. On a plein d'équipes. C'est la première fois qu'on va voir ces 4 jeunes hommes en équipe au World Up. Donc, je les laisse se présenter à ma droite. Yo, Xavier Stone, êtes-vous là, Catacombe? Yeah! Yo, Mathieu Malenfant, t'es déjà un des pires tout croches que j'ai vu de ma vie. Je comprends même pas ce que tu fais ici. Moi, je suis venu pour voir Monkey Kong Freddy. Puis là, on prend l'opportunité dans notre battle pour péter 2 faggots par principe. Toi, Francis Lacroix, t'es une vraie crise de merde. T'aurais juste du pas de pointer comme au rêve. T'es encore plus pourri que Malkid. T'es tellement un gars nerveux qu'en ce moment, t'es juste heureux de m'avoir vomi dans le parking. Yo, okay. Prophète, Mathieu Malenfant, aka Malkid, histoire vraie. Ce gars-là, c'est une tête d'eau, une cloche depuis qu'il s'est crissé de la sauce chaude d'en face. Ce gars-là ferait n'importe quoi pour du cash. Il fait juste des scènes, mais il vendrait n'importe qui pour une pilasse. Sa biatch, je voudrais juste pas être à sa place. Francis Lacroix, aka Goofy. Goofy est cool. Non, Goofy se la pète. Tantôt, on dira plutôt Goofy se la pète avant qu'on le pète. Il va repartir l'orgueil marqué prophète. À la gauche! Yo, Goofy, Malkid. Malkid, Goofy! Uh-huh. Et les gars sont prêts. Ouais, ils sont prêts à quoi? Ils sont prêts à se faire pète. Puis ouais, j'ai choke les révélations. J'ai tellement choke les révélations. C'est une atrocité! Mon chum à côté, il a fini carbonisé! True story! Yo, true story! Let's go! Nice. Pile ou face? Face! Pile! Pile! On va toujours prendre face, c'est le début d'ail. On se pile ou on se passe? Passe! On dit que c'est pile! Passe! On commence! Ok, c'est 2 minutes sur Xavier Stone, prophète! Let's go, guys! Yo! Prophète! Stone! Artiste créatif, on fait des fous battles pis des dope track! Ceux qui pensent qu'on est sa poudre, vous êtes dans le champ, sinon on traite là, on se fait une grosse track! Pas besoin d'être sa grosse dope pis que vos bitches nous détruisent sur notre big boat! On a des dope clothes, on a pop the next level, on est sur autre chose! Ok! On dirait que Goofy, on dirait que Malkid il porte le vieux linge à Goofy! Pis que Goofy il porte le vieux linge à rat! Bref! Ça avait juste l'air des bombes de même! Si des gars comme vous feraient le chiffre pis resteraient chez eux des soirs comme à soir! On n'aurait pas de problème! Même si on vous crie sur un punch, on reste quand même des gentlemen! Des hommes de main! Si vous faites le move de changer de bord, vous allez peut-être devenir... Des hommes de main! Ok, honnêtement, moi dans la vie j'ai une phobie! Ouais, les rats dégoûtent! Sauf que c'est quand même ironique qu'en ce moment, face à nous, dans le pen... Les rats dégoûtent! Hey, check, ta conne, je la fous partout! Je la décalisse dans tous les trous! Je la scrape un raid, ben après je la redonne, genre t'es bitch! Ça, c'est à vous! T'as besoin de faire attention aux hommes que les autres! Quoi? Calme-toi, man! Quoi? Ça vient de 16 ans, c'est une mineure! Oh! 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 Qu'est-ce qu'on fait? Malaise, hein? Malaise! Ok, check ce changement d'angle d'attaque, man! Vas-y, man! Votre team travaille all the time dans les mêmes souterrains! Mais ça reste que ce sont elles, les mineurs. Oh! Si vous pensiez qu'à soir, ces gars-là allaient drop de la bombe, sorry, je suis venu les désamorcer chez le fucking D mineur. Hey, il y a des handicapés 1000 fois plus intelligents que vous deux sur la terre pis ils ferment leur gueule. Stephen Hawkins! Votre famille traverse l'océan à rame comme une gang de barbares qui cherche à détruire un peuple! Les hostiles vikings! Prophet Stone, vos bitches, nous on les traite en princesses, on les fait slip de les kings! Ouais, vos bitches, on les fait a lot of bad things! Quand vous rentrez dans un bar, puis vous voyez 4 poteaux, vous êtes comme shit! Ils sont où les filles? Nous, si on voit 4 poteaux puis des bars, c'est juste parce qu'on cherche à step dans le ring! Let's go! Tira, round 1! Goofy, ma kid! Let's go! Let's go! Get him! Yo! Sur le forum, j'ai vu parler beaucoup de tapettes! Fermez-vous le clapet! Ça laisse un fucking arrière-goût de navet! Bande de poussées! Rouillées! Qui ne cessent d'ébrouiller!
rouillé au point d'avoir tout à perdre. J'espère que ce soir vous avez bien roulé vos couches, parce qu'on s'en vient foutre la merde. C'est plus le temps d'attendre. Ça me démange le devant de la langue. Comment vous pensez percer sans talent? Ouais, il fait chaud, on travaille soir de notre front. Mais si tu trouves que ça sent le swing, ben je m'en balance. Yo, Xavier Stone, lui c'est pas drôle la vie qu'il a. Mais c'est pas trop compliqué. Se fourrer une grosse motivée en se levant, c'est ça qu'appelle se faire la grosse matinée. Ça va bien, ils ont fait sa robe pis ils pensent plus. Après une journée d'extase remplie de sueur profonde pis d'embûche, parce que son boss lui est rentré dedans, fax, il a sa journée dans le corps. C'est seulement qu'à la job il se fait un cul. Yo, il pique sous lui, toujours à deux doigts de se faire slacker. Wesh. Non mais wesh, mes textes, pas de personal. Ok, ça a pas été dur de l'apprendre. Mais maintenant tu peux avouer à tout le monde que tu t'es fait mettre dehors. Faguette. Yo, tu t'es fait mettre dehors. Faguette. Tu t'es fait mettre dehors. Ok, yo, 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 yo. Dead, mec, c'est un fait, c'est pas mon heure. Ta mom, ses fesses, c'est comme mes textes, je les teste en profondeur. Yo, je le jure, sa tête, dès que j'ai bu ma bière, je claque ses fesses flax, ça fait des vagues, ça tombe bien, j'ai toujours voulu faire du surf sur la mer. Okay. Fait que les gars, expliquez pourquoi vous avez la peau ses os. Je pense que vous êtes trop sado. Vous êtes tellement maigre que seul ou à deux, vous pourriez marcher côte à côte. Yo! Yo! Ça vous prendrait chacun sac sa tête! Vous avez de l'air de deux orthos quand vous, qu'on vous regarde la fraise! Yo, on s'en vient foutre! C'est trisomique au sol! Retarde la terre! Yo, c'est un peu insensé, mais j'ai chié un ton avant de chez vous! C'est garanti, vous avez aucune chance, c'est tout! Tant si on les dérange et doux! T'as beau de vent, t'es ta grande chick, ce trois rangs, j'ai de coups! On est même pas obligé de pète des dents, tu te retrouves déjà au plancher, à manger, mou! Oh, ouais. Time! 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 Yo, Goofy, mon kid, juste deux autres gars ordinaires en manque d'attention qui ont absolument rien d'intéressant à dire. Vous êtes comme, moi je fais du rap, on s'en calisse. Vos textes ont rien de sensé, rien de comique, mais vous faites quand même rire. Vous voulez devenir des vedettes? Vous allez vous faire blesser avec une étoile comme Malkin. J'ai une pédo qui aime ça trop étroit, pas comme ta mère, un vrai Walkin. À soir, c'est 18 ans et plus, dis-moi, elle où ta blonde, Malkin? Oh. Vous avez encore rien vu. On se limitera pas à des bars pis des références parce qu'on a du brain. Le vôtre est aussi imposant que le mind. C'est sûrement pas avec ça que vous allez rapporter du bread. Vous avez du pain sur la planche mais rien sur la table. Je pensais que ce gars-là avait un kid, mais je me demande s'il est pas dead. Yo! Hi. Yo! Fuck Goofy! Malkin, te faut que tu comprennes comme une coupe d'autre que c'est pas parce que tu parles qu'on t'entend. Tu t'appelles mal enfant, ça en anglais ça fait bad kid. Mais toi tu dis mal kid parce que tu t'appelles mal enfant. Fuck you man! Le seul enfant qui a mal c'est ton kid! Vous avez juste l'air de deux incultes. Des moutons qui suivent une seule voix. Des gars qui ont pas le luxe de comprendre qu'on leur ment. Moi j'évoque la peur des yeux de ces deux arriérés-là de Québécois. Puis je les frustre sans raison quand je débarque comme si j'étais un musulman. Man! Pour ceux qui disent que des bars de marde. Yo! J'suis un musulman! Pour être n'importe où ailleurs, mais je me place devant deux gars qui veulent que je finisse comme Cobain, ben si je me gunshot devant vous à soir, c'est juste pour vous envoyer du brain! Goofy, Goofy, mon petit Goofy, man! T'es pas spécial! T'es pas unique! Goofy, c'est juste irrégulier! Ce que tu ressens ici face à moi, c'est pas des papillons, crisse de fif, c'est le stress, l'envie de régurgiter! Vous êtes des bitches! Des bitches! Des bitches! Vous êtes comme une first date qui dit no one night, mais ça finit quand même qu'on vous décalisse. Un match-up Québec-Montréal, on est remport, vous êtes Armada. Si vous seriez Haïtien, on serait Katrina. Si vous seriez Bill, on serait Katana. Si vous seriez le Japon, on serait Hiroshima. Puis si lui, ou vice-versa, serait Sean Hannity, ben l'autre serait sûrement Anna Montana. Ok, Malkin, j'attache ta blonde avec des fighters asiatiques. Thaï rap! À soir, tout le monde était heureux pis avait la paix jusqu'à ce que Thaï rap! Check, c'est du rough shit! Ta blonde, je la décalisse, je la fourre jusqu'à ce qu'elle boite! Je te jure, elle va te revenir plus dirt que si tout ensemble on te l'avait passé dans la boîte! Francis Lacroix, apporte-toi une petite faguette, y'a personne qui te croit. Avec le rap comme les filles, t'es juste crissement pas dedans. Pis toi, t'es juste fucking dégueulasse. Tu t'appelles mal en... Tu sors avec une fille mineure, tu t'appelles mal enfant parce que tu fourres mal un enfant.
Oh, shit! Easy Porsche! Et on vous pète bien raide, c'est triste, mais c'est sur vous deux que ça tombe! À soi, le mieux que vous pouviez get, c'était de repartir avec Xavier Stone, signer ses seins de vos blondes! Ils sont fucking mineurs, fait que je signe des seins de mineurs, là. Pas de blonde, mais. Time! Time! C'est ta mère, hein? Let's go! Let's go! Yo! Yo! Prophète! Pas plus fort pendant tes rondes! Ça vous donne aucune crédibilité, c'est vrai! T'es pas avec Picsou en train de pratiquer dans ta douche l'épais! Mais c'est pas mal identique! Vu qu'à chaque fois que vous commencez un round, ben ça crée toujours un fret! Yo! Yo! Tout le monde le sait! Les salles d'état, tu te penches, tu prends, tu fais qu'anticiper! Fume tellement de cartoons, Castor Xavier, ça vie s'est rendu comme dans une bande dessinée! Yo! Pis si t'avances vite, tu sais que tu t'es crissé de la nitro dans l'ass! T'es qu'une pauvre bitch qui saute au lit, je fais clito sans blase! Tu sors un clip, je serais pas surpris de le voir speed avec son clic en train de se frapper à coups de dos d'en face! Ben non, yo! Tellement que ses soirs, ses veg, il se mord les lèvres, il adore jouer avec son dildo, mais pour que Prophète lui raconte des histoires de jouets. Yo! Pauvre tapette! T'aimerais que Freddy te frappe avec son panneur? Pour toi, c'est valeur! Ta meuf, c'est une plate à change, je suis sûr qu'à chaque fois que tu manges la snatch, c'est une drape de tailleur! Yo! Yo, en fait, ce n'est qu'une bande de pute qui s'entre-suce le manche de flûte! Yo, s'ils sont si silencieux, je pense qu'ils sont constamment en rechute. Okay. Fact, okay. Écoutez mon histoire si bol. Là, ça parle pas de bitch, de mère pis de blonde pas capable de boire du rhum. Le monde ont bien beau croire ce qu'ils veulent, mais si ces faguettes reflètent la défaite, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils pratiquent, mais c'est le miroir qui gagne. Yo! Même son prof riait de la signature de sa mère dans son agenda! Comment va, Madame Gingras? Bon, bon. Ben oui, c'est d'elle dont je parle, Madame Alva Gingras! Elle va bien? Yo! Là, j'ai un message à faire passer! On parle en mal de mes skills! Le gars que même les noms d'MC veulent pas le représenter! Un vaurien! Thierry Baudouin! Fuck you! T'es tellement laid! T'es même pas proche d'être beau de loin, man! Yo! T'es tellement sans cesse en train de gratter le fond! Qu'on a trouvé un nouveau AKA pour toi! Thierry Baudouin! Thierry! Thierry, man! Thierry! Dernier round de battle! Xavier Stone Prophète, let's fucking go! Hey! À Montréal, aux catacombes, on va vous l'avouer, pour nous deux, c'est quand même un gros show! On est placé devant deux tout croches de la rive sud, Chris, on se créerait dans le gros show! Vous êtes des astis paumés! Vous avez pas de char, pas de cash pour le boss, lui s'est fait voler le bicycle qu'il avait volé! Vous êtes des walkers! À soir, c'est nous qui traînent le shit, mais c'est quand même vous qui vous plantez comme walker! Hey, bon kid, laisse-moi ajouter que t'as l'air du pire tout croche qui trippe sur te mettre du visine! J'aurais même, je mets du visine! Que t'es pas Gordon Ramsay, mais avec ta sauce chaude d'en face, t'as vécu un cauchemar en cuisine. Qu'est-ce que ça me pétille, man? J'ai la face qui brûle, man. OK, hey, pour nous deux, y'a rien de plus plate que de vous entendre rapper des verses peut-être. On trouve ça plus plate, puis malaisant, puis whack que de se taper toutes les battles des MC Fight. puis en passant, hein? Nous, l'inconscience des trop jeunes femmes, on la respecte. On joue franc jeu avec vous. Pas comme quand je me dis que j'arrête la cigarette, si ta bitch veut me suck, je suis comme stop, chick, ça arrête. Je pourrais pas lancer des barres de même dans votre dos, sinon je me sentirais comme votre duo, un double échec. Goofy, il disparaît quand on arrive dans le spot. Fait qu'on peut dire que Goofy, il est vraiment rien. Parce que là, il a la route dessus de ses affaires, mais je vous jure qu'en ce moment, il est juste pas bien. Toi, mon kid, faut que tu comprennes comme une. En ce moment, il est juste pas bien. Toi, fuck you, mon kid, j'oublie Marlène, t'es juste une marde, man, pis je m'en sac pas. Ok. Hey, pis, je vais finir avec le code big, man, check bien ça. Ils veulent utiliser leurs mains dans le ring, mais on les enterre. Ils vont m'appeler le faux sawyer, je donne des hosties de coups de pelle. Vos skills manquent à l'appel. Même si je serais dernier du groupe, en un move, je peux exploser le premier. Blue Shell! Blue fucking Shell! Ok, Prophète, close. Okay, là, vous êtes. Même si selon les forums, notre présence ici ce soir ne faisait pas l'unanimité, de garçon à homme, on a pris la critique comme une vraie leçon d'humilité. Pendant qu'au USA, les rap stars scream Pussy Money Weed en popant du champagne, nous on lève notre bière au rap cap qu'on traite comme un or ou comme une dame. Chance aux organisateurs puis à Filigrane.
Chance! Chance à toutes vous autres! Puis WMC qui tente de faire move le crowd, même si on repart avec le crowd, chance à nos adversaires pour ce fou battle! Prophet Stone! Non, mais plus à genoux en train de gonfler une poupée trouée à laquelle il peut se dévouer puis montrer sa toute petite paire de billes. Tenter de la mouiller et remplir son trou, mais d'où t'as mal compris quand on t'a dit que chaque jour, ben, il fallait faire le vide. Yo, Paris, quand t'as pas de brel, ça vole des bangs, du bête, si diète, et chez super, c'est après le ballon, ces deux merdes auront de la peine, vont se flex vers l'exit, perdre le reste, c'est une tête qui te perce et te blesse, agrandit la blesse et perce. Je reste digne si je mange mes textes pis fuck les sets, t'sais. Yo, je suis tellement un bon exemple que quand je rentre par une porte automatique, tu peux m'entendre dire merci. Yo, yo, de leur côté, y'a pas grand armée. Oh, l'ami, je parie qu'ils stressent pis qu'ils ont hâte de s'en aller. Ces mecs sont tellement, 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 tellement ça poudre. Ils capotent quand le téléphone sonne, sont tous confus quand on leur demande de prendre la ligne. Oh, shit! Vous voyez que c'est pas un air dont quand je tue. J'allais d'entendre autant de putes. Ce grand Arlan rêve tellement d'écran dans qu'il y a pas longtemps sa maman l'a retrouvé penché dans la douche, mais avec le savon dans le cul. Yo, yo, ta meuf, je mets les tailles exprès sur un spacieux matelas d'eau. Au garde à vous, tellement bang, elle m'appelait son général d'Aho. Bullshit, c'est loin d'être la bombe, c'est plat. À côté de vous, c'est un rap, c'est fat. L'MC Junk, c'est rap. Fait, je ramène un jeu de mots. Quand je dis Gaspard, vous allez vous faire sauter un de ces quatre. Boum, boum. Yo, finalement, vous êtes les mêmes morons. Yo, finis pour un test, mon oncle. Ces deux faggots s'entre-défoncent tellement l'ass qu'en ce moment, ils chient dessus pis qu'ils s'en rendent même pas compte. Yo, 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 pis que ça, c'est un pissou, mais il a échappé sur un frein de 10 sous. Prophète, t'es pas fait, pis ses parents chialent encore après parce que ses devoirs sont